théorie peut changer, chez d'autres c'est tellement négatif, chez d'autres c'est trop mystérieux, chez d'autres c'est plutôt, si c'est dans le côté positif, quelque chose d'extraordinaire à avoir. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on est là pour expliquer plutôt un peu universellement ce mot. Donc pour moi je le considère comme un pouvoir caché, mais après ça peut faire du bien ou du mal. La capacité de voir, comme on parle d'aura, comme on parle de prana, est-ce qu'ils ont la possibilité de voir par exemple les personnes, s'ils ont de la chance, de la réussite, tout ça, et de prendre ça, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? C'est l'Europe qui a tué la connaissance, c'est pas moi qui ai tué Jeanne d'Arc, j'existais pas à ce temps. Qu'est-ce qu'un envoûtement? Il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement, quand je marche à Jeddah, je vois des plantes et tout. Je dis, waouh, ça c'est beau. Mais cette plante aussi, je la connais, la même chose. En Afrique, je l'ai vue en Inde. Mais on regarde ici, on l'a mis ici comme une fleur. Simple. Mais c'est pas une fleur, c'est un pouvoir. C'est un truc qui peut traiter. C'est une plante qui peut traiter quelque chose. Et ça me fait sourire tout le temps. Je me dis, il faut que j'aie le temps d'aller écrire tout ça ou de montrer à quelqu'un. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas aller se prendre la tête. Il y a des plantes qu'on met parfois dehors, c'est des poisons. Et les enfants, ils touchent, mais ils ne savent pas que c'est des poisons. Ça dépend, il suffit de toucher, qu'un enfant il casse et que la sève sorte, c'est un poison. Mais les jardiniers, ils vont le mettre, ils ne savent pas que c'est un poison.